civique. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Je vous rappelle que il y a certains comités comme ça qui travaillent au sein de la ville. Toponymie en fait partie. On a besoin de citoyens. Le comité consultatif d'urbanisme. Donc, restez à l'affût des annonces sur le site web de la ville, car on a besoin de gens pour venir compléter nos comités. C'est toujours un bonheur d'accueillir 109 parmi nos chantiers de travail. Maintenant, en finance, dépôt de la liste des dépenses autorisées, Madame Léger. Madame Léger? Oui. Je dépose la liste des dépenses qui ont été autorisées par les délégataires désignés en vertu du règlement de délégation de pouvoir et ce, pour la... Oh, Madame Léger, votre micro, s'il vous plaît. C'est vrai. Merci. Je dépose la liste des dépenses qui ont été autorisées par les délégataires désignés en vertu du règlement de délégation de pouvoir et ce, pour la période du 17 au 30 mars 2024. Cette liste totalise un montant de 36 607 835 $. Merci beaucoup. Modification de la politique de remboursement des dépenses pour le personnel cadre et de soutien. Quelquefois, on doit réajuster les montants qui sont accordés, entre autres, pour le remboursement des repas. On doit s'ajuster avec les prix du marché. Donc, c'est entre autres ce genre d'ajustement-là à la politique. Qui propose? Je le propose. Je l'appuie. Vous allez voir un peu plus tard qu'il y a la même... Même genre de résolution pour les élus, donc on est au même niveau que la politique des employés de la ville. Donc, inspection des chaussées 2024, Monsieur Pelletier. Oui, je propose le contrôle soumissionnaire conforme Englobe Corporation au montant de 99 361, taxes incluses, étant la plus basse soumission reçue conforme. Qui appuie? Je l'appuie. Fourniture d'émulsion asphaltique. Je propose aussi le contrôle soumissionnaire conforme les industries Mike Asphalt Limité, au montant annuel moyen de 66 702 $, taxes incluses, étant la plus basse soumission reçue conforme. Qui appuie? Je l'appuie. Service de localisation de fils électriques. Oui, je propose le contrôle soumissionnaire conforme, groupe Softex, incorporé au montant de 85 293, étant la seule soumission reçue conforme. Qui appuie? Je l'appuie. Service professionnel, contrôle qualité pour divers projets. Entre autres, il s'agit des travaux de modification au poste de pompage Cormier, installation d'une chambre de compteur au Boisé-Messier, Club du Faisan et fourniture et installation de deux génératrices d'urgence au poste de pompage régional. Je propose aussi le contrôle soumissionnaire conforme Englobe Corporation au montant de 85 483 taxes incluses, étant la plus basse soumission reçue conforme. Qui appuie? Je l'appuie. Implantation d'un système de services de billettique pour le transport collectif. Je vous rappelle qu'il s'agit de pouvoir avoir des cartes qu'on peut recharger à la maison là, pour faciliter le paiement des transports, du transport en commun. On avait un autre système qui a malheureusement a eu des ratés. On est présentement en litige, donc là-dessus on ne peut commenter. C'est comme si on reprenait le processus du départ et c'est la solution qui a été reçu suite à l'appel d'offres. Oui, je le propose aussi, le contrôle au seul soumissionnaire conforme, Ubi Transport incorporé au montant de 828 254 $, taxes incluses. Et j'ajouterais qu'on a le droit à une subvention qui rembourse environ 80 % de ce service-là. Qui appuie? Je l'appuie. Ajout d'un système de feux de circulation à l'intersection des rues Cormier et Haggerty. Je crois que c'est très attendu par M. Grondin. Oui. Je propose aussi le contrôle au plus bas soumissionnaire conforme, Marc-André Paysagiste incorporé, au montant de 467 895, taxes incluses. Vous l'appuyez, j'imagine? Je vais l'appuyer et ça va aider à protéger non seulement les automobilistes, mais aussi la clientèle vulnérable qui traverse là, même si on parc industriel, il y a des travailleurs un peu plus vulnérables qui sont là. Ça va aider. Dont moi? Non, pas là, c'est l'autre. Ah, d'accord. Fourniture et installation de compteurs d'eau.
Oui, je le propose. Le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, plomberie Lecomte incorporé au montant de 378 727. Taxe incluse. Je vous rassure, là, ça fait partie du programme pour l'eau du gouvernement. C'est des chambres de compteurs qu'on installe dans les quartiers. Là. On ne parle pas de compteurs pour chacune des résidences. Là. C'est vraiment pour les quartiers, puis il y a un peu d'industriel et commercial également. Je l'appuie. Développement d'un nouveau site Web. Oui, je le propose. Le contrat au soumissionnaire conforme, ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, groupe Quantique Activis, incorporé au montant de 89 171, taxes incluses. Qui l'appuie? Je l'appuie. Réaménagement du bâtiment Traversy. Il s'agit de l'ancien hôtel de ville de l'ancienne ville de Saint-Nicéphore. On va y installer notre personnel administratif du service incendie dans ces lieux-là qui va nous permettre, entre autres, d'agrandir notre caserne ici au centre-ville. Je le propose aussi. Le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, construction Benoît Moreau incorporé au montant de 560 922, taxes incluses. Qui l'appuie? Je l'appuie. Aménagement d'un terrain de basketball en surface d'acrylique au parc Sainte-Thérèse, projet qui avait été élaboré avec le budget citoyen et qu'on est fiers de pouvoir redonner aux citoyens qui ont été extrêmement patients parce que pendant plus de 2 ans, on a occupé leur parc. Donc, on a très hâte de le voir se réaliser. Je propose aussi le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Marc-André Paysagiste incorporé au montant de 521 751, taxes incluses. Vous l'appuyez, Mme Léger? Et j'aimerais l'appuyer. Aménagement du parc Jardin des Galeries. Je propose le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, D.A. et Raymond, incorporé au montant de 690 642 taxes incluses. Qui l'appuie? Je l'appuie. Fourniture, livraison et installation d'un module de jeu au parc Jardin des Galeries. Je propose aussi le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation. Équipement récréatif Jean-Bette incorporé au montant de 125 276 taxes incluses. Qui l'appuie? Je l'appuie. Alors, pour installer la nouvelle piscine, il faut défaire les jeux existants et on en aura des plus récents qui seront aménagés ailleurs dans le parc. J'ai compris, il va y avoir aussi une butte à glisser. Oui. Donc, c'est tout un aménagement pour permettre aux jeunes de s'amuser. Absolument. Ajout de feux de circulation sur le boulevard Jean-Brébeuf. Je propose aussi le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, excavation Tourville incorporée, au montant de 449 425 taxes incluses. Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, dans la section capital humain, je fais le dépôt de la liste d'embauche, de promotion et de mouvement de main-d'œuvre des employés. Transformation de 2 postes col blanc permanents de préposés au service à la clientèle à la bibliothèque en 3 postes permanents à temps partiel. Ça nous permet de mieux couvrir les heures parce que vous savez que la bibliothèque est ouverte les soirs, les fins de semaine, donc on veut s'assurer de pouvoir bien couvrir toutes ces heures-là. Qui propose? J'aimerais proposer. Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, greffe et affaires juridiques. Retrait du caractère de rue d'une partie du lot 4 350 387. Il s'agit de la rue Berthiaume. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Signature d'une main levée partielle relativement à des actes de vente de la compagnie Antosystèmes. C'est parce qu'ils ont respecté les délais de construction. Ils ont construit leur usine. Donc, on est en mesure de faire une main levée partielle. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Poursuite des mandats d'expertise de la firme STGM et la dépense y étant rattachée, dépôt d'une demande introductive d'instance et mandat au cabinet DHC Avocat, c'est pour le dossier de la bibliothèque. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, dans loisirs, vie communautaire et développement social, autorisation de passage de ride de filles sur le territoire de la ville de Drummondville. C'est avec plaisir qu'on va revoir cet événement chez nous à Drummondville. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Signature d'une entente à intervenir avec le Centre communautaire Saint-Pierre relativement à l'animation loisirs Drummondville-Ouest pour l'année 2024 et ce, pour un montant de 20 000 $. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Versement d'une subvention au montant de 36 921 $ au Centre communautaire Saint-Pierre. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie.
Versement d'une subvention au montant de 4 243 $ au club de croquet de Drummond. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Arts, culture et bibliothèque. Signature de deux avenants à intervenir avec le Festival Trad Cajun et le Festival de la poutine de Drummondville. On vous avait annoncé des aides supplémentaires pour ces deux événements qui sont, ma foi, fort courus à Drummondville. Des gens d'ici qui ont monté des activités qui plaisent énormément à nos citoyens. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Je vais commenter l'appui que donne Mme Bernier à M. Sivigny et dire qu'il s'agit en fait d'un montant en argent pour Trad Cajun de 10 000 $, mais pour le reste, c'est des services de la ville pour reprendre la facture totale de ce qu'on faisait avant. Alors, c'est 15 000 $ pour un, 10 000 $ pour l'autre. Parfait. Signature d'un avenant à intervenir avec la Maison des arts des Jardins Drummondville relativement aux assurances exigées à l'organisme par la ville de Drummondville. C'est une technicalité, on exige ça chaque année, on l'avait oublié cette année, donc on corrige le tout. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Ingénierie et environnement, décret au règlement parapluie 2024, c'est la deuxième portion du règlement parapluie. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Signature d'une entente de service à intervenir avec le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec relativement à la gestion clé en main du programme Geste vert au quotidien pour l'année 2024. Est-ce que, oui, je pense qu'il y avait M. Sivigny. Oui. Je vais demander le vote sur cette proposition parce que je trouve deux choses fondamentales. La première, c'est qu'on n'investit pas suffisamment d'argent dans un projet semblable. C'est 5 000 $ dans trois volets, puis il y a 5 000 $ en frais d'administration et salaires, des salaires que je trouve exorbitants par ailleurs, 65-75 $ de l'heure. Même si je suis totalement pour améliorer l'environnement de Drummondville, je pense qu'on aurait pu faire mieux avec ce 20 000 $-là. Je pense qu'il faudrait mettre beaucoup plus d'argent, c'est mon opinion. Alors, je vais voter contre cette proposition. Avant de demander le vote, je tiens à dire que ce qui a été décidé au Conseil, c'est d'aller de l'avant avec ce programme-là, qu'on allait colliger l'intérêt des citoyens, parce que c'est surtout un programme pour sensibiliser, éduquer les gens. Et on allait voir par la suite s'il était nécessaire d'investir plus, d'investir différemment. C'est le genre de programme qu'il faut s'assurer d'avoir une reddition de compte pour toujours faire mieux. Donc, c'est une première année, et c'est pour ça qu'on commence comme ça, mais on va regarder l'évolution assurément. Puis il y a Mme Saint-Cyr-Lanois qui, assurément, peut représenter les membres du Conseil là, sur ce projet-là. Madame... J'aimerais aussi répondre à l'opposition. Oui, si vous pouvez. Peut-être commencer par proposer, seconder, je pense qu'on ne l'a pas fait. On va le faire. Ah oui, 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 c'est vrai. J'imagine vous l'avez proposé. Je propose. Qui voudrait le seconder? Je vais l'appuyer. Vous allez l'appuyer? Dans le fond, vous l'avez bien expliqué, c'est une enveloppe de départ. On veut vraiment améliorer les choses par la suite. Puis tout geste en environnement, à sa mesure, peut avoir des impacts. À ma petite échelle, je parle d'une maman qui a eu deux enfants qui ont les couches lavables. Donc, 10 couches par jour pendant 365 jours, pendant 2 ans et demi, bien, pour deux enfants, ça fait 18 250 couches qui sont détournées du site d'enfouissement. Donc, pour ces raisons, moi, je pense qu'il va avoir des impacts à court terme, moyen terme et long terme, parce qu'on utilise la formule ISEE, comme Mme la mairesse l'a mentionné, information, sensibilisation et éducation. C'est une demande citoyenne qui était répétée dans nos services. Chaque semaine, effectivement. Et que moi-même, j'ai eu à plusieurs reprises depuis le début de mon mandat. Il y a plus de 120 villes au Québec qui ont instauré ce genre de projet de subvention. Donc, on n'est même pas à l'avance, on est à la traîne. Et c'est pour ça que moi, je veux qu'on appuie ce projet-là et qu'on va l'améliorer année après année et que je suis certaine que l'engouement citoyen sera au rendez-vous. Merci beaucoup. Alors, je demande le vote. District 1. Pour. District 4. Pour. District 5. Pour. District 6. Pour. District 7. Pour. District 8. Pour. District 9. Pour. District 10. Contre. District 11. Pour. District 12. Pour. Alors, c'est adopté à la majorité. Interdiction du stationnement sur trois tronçons de la rue entre le 2300 et le 2255 de la rue André C. Hamel. Qui propose? Je propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Les prochains points sont le résultat d'une analyse par le comité de circulation.
Interdiction de stationnement en face du 151 de la rue de Rion. Qui propose? Je le propose aussi. Qui l'appuie? Je l'appuie. Installation de panneaux d'arrêt pour une gestion des mouvements au moyen d'arrêt toute direction à l'intersection des rues Boucherville et Saint-Amand. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Installation de panneaux d'arrêt sur une gestion des mouvements au moyen d'arrêt toute direction à l'intersection des rues Lionel Giroux et Jean Berchman-Michaud. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Installation d'un panneau de virage à droite interdit au feu rouge aux approches nord et sud de l'intersection des rues Saint-Pierre et Rochelot. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Inversion des débarcadères, autobus et parents à l'école Saint-Pierre sur la rue Ringuette. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, on est rendu à la section urbanisme. Demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 529 de la rue principale. Autoriser l'implantation d'une piscine hors terre et ses équipements et d'une terrasse en cour avant. C'est une recommandation favorable. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 2291 du boulevard Mercure. Réduire la distance de la case de stationnement de la ligne avant du terrain et réduire l'aire d'isolement entre l'aire de stationnement et la ligne avant de terrain. Qui propose? Je le propose. Et je l'appuie. Vous l'appuyez, Mme Léger. Immeuble situé au 1570 du boulevard Saint-Charles. Ajustement réglementaire relatif au nombre de cases de stationnement et à certaines dispositions applicables d'un usage protégé par droits acquis dans le cadre d'un projet d'agrandissement localisé en cour arrière. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, nous sommes rendus au plan d'implantation et d'intégration architecturale et les prochains points ont été approuvés dans le CCU du 27 mars 2024. Au 570 rue Riotte, rénovation d'un bâtiment, option 1, mur écran refusé. Au 2030 rue Bertrand, nouvelle enseigne rattachée, modification de l'enseigne détachée. Au 377 rue Riotte, rénovation du bâtiment sous condition. Au 162-166 rue du Moulin, rénovation du bâtiment principal. Au 4008 boulevard Saint-Joseph, nouveau bâtiment, aménagement de terrain. Au 1570 boulevard Saint-Charles, agrandissement du bâtiment principal. Au 206 rue Saint-Damas, rénovation du bâtiment. Et au 914 rue Saint-Pierre, modification de l'enseigne rattachée et modification de l'enseigne détachée. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, dans les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble... Adoption du premier projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser l'implantation d'une station-service avec un dépanneur, un restaurant et un lavoto sur un terrain situé à l'intersection de la route 139 et de la rue Marie-Gérin-Lajoie, soit au 2490 de la route 139. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, dans les règlements d'urbanisme, on est rendu aux avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV24-5627 modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant le 792 du boulevard Mercure et dépôt du projet de règlement. Le règlement a pour objet de permettre les habitations bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales d'un maximum de 6 logements pour les propriétés situées à l'est du boulevard Mercure, soit entre les rues Cartier et Vassal. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV24-5636, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant le développement résidentiel Les Découvertes dans le secteur des rues Claire, Meunier-Rouge et de la Crécerelle et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet d'augmenter le nombre maximal de logements à l'intérieur des zones d'habitation H-1032, 1034 et 1035, situées à l'intérieur du périmètre que Mme la mairesse vous a mentionné. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV24-5637, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant les terrains situés approximativement de part et d'autre des rues Hébert, Loring et Dorion et dépôt du projet de règlement.
Il a pour objet d'augmenter la densité relative au nombre maximal de logements par terrain pour les habitations multifamiliales de 4 à 6 logements. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV24-5641, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant une partie du terrain du Centre Expo et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet d'autoriser un projet résidentiel comprenant un bâtiment de maximum 105 logements sociaux pour aînés. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Maintenant, c'est l'adoption des projets qu'on vient de mentionner. Adoption du projet de règlement numéro RV24-5627. Il s'agit du projet du 792 du boulevard Mercure. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du projet de règlement numéro RV24-5636, c'est le développement résidentiel Les Découvertes. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du projet de règlement numéro RV24-5637, il s'agit du 162 à 166 de la rue Loring. Qui propose? Je le propose. T'es correct pour le proposant appuyant? Oui. Adoption du projet de règlement numéro RV24-5641, une partie du terrain du Centre Expo. Qui propose? Je le propose. Je l'appuie. Maintenant, dans les adoptions de second projet de règlement, adoption du règlement numéro RV24-5630, modifiant le règlement numéro 4304 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, ayant pour objet de modifier diverses dispositions du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant les secteurs, les bâtiments et les types de travaux et d'usages assujettis. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du règlement numéro RV24-5631, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'assurer la correspondance avec les modifications effectuées par le règlement RV24-5630 quant aux limites et aux portions de territoire assujetties au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 4304. Qui propose? Je propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Dans autre règlement, avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV24-5418, remplaçant et abrogeant les règlements numéro RV19-5072 sur la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires, RV20-5282 sur la délégation de pouvoir en matière de ressources humaines et RV18-5034 déléguant au trésorier ou au trésorier adjoint le pouvoir d'accorder un contrat de financement par émission d'obligations ou de billets, ainsi que leur amendement, le cas échéant, et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet de déléguer à des employés municipaux des pouvoirs de dépenser et de déterminer les pouvoirs d'approbation et de conclusion d'actes ou d'engagement pour la Ville dans le respect des exigences, modalités et seuils monétaires énoncés. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV24-5520, modifiant le règlement 3500 et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet de modifier diverses dispositions législatives, notamment la mise à jour de l'ordre du jour des délibérations des séances du Conseil, l'ajustement des dates pour les ventes de garages gratuites, ainsi que la modification d'un article du titre 8 de la Garde des animaux. L'ajustement à propos de l'ordre du jour, il y a eu des changements de titre dans l'organisation. Donc, c'est pour être coordonné avec organigramme. Notre organigramme, c'est le mot que je cherchais, merci beaucoup. Pour les ventes de garage, c'est les mêmes dates, c'est juste qu'ils n'étaient pas inscrits au règlement. Et pour la garde des animaux, c'est simplement qu'on vient nommer la SPAD comme étant responsable de ramasser les petits animaux morts. Parce qu'on a bien compris que les gros, c'était la faune qui les ramassait. On ne sait toujours pas si le dindon sauvage étant un peu... Ah oui? Le dindon, c'est la SPAD. Le dindon est considéré comme un petit animal, donc c'est la SPAD. C'était une préoccupation cet après-midi. Donc, qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV24-5640 et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet de remplacer et d'abroger le règlement RV22-5438 sur le remboursement aux élus municipaux des dépenses approuvées au préalable par le conseil municipal. C'est ce que je mentionnais plus tôt, là, pour être en accord avec le remboursement des dépenses de nos employés. Là, on est tous au même montant.
Donc, qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Maintenant, dans l'adoption des règlements. Adoption du règlement numéro RV24-5634 sur le programme de subvention pour l'achat de produits éco-responsables. Le règlement a fait objet d'une modification depuis le dépôt du projet de règlement, notamment par la modification des articles 10 et 18 permettant l'ajout de la prime sur l'achat local pour la catégorie vélo. Je souhaite intervenir sur cette adoption de règlement. J'ai pas compris. On peut intervenir sur cette adoption de règlement? Oui, je vous donne la permission. Bon, je suis pas d'accord avec la troisième partie du volet, c'est-à-dire la partie justement catégorie vélo, parce que notre objectif qui était d'améliorer, promouvoir la mobilité durable, bien, je trouve qu'en donnant 200 $ de subvention à quelqu'un qui achète un vélo à Drummondville, pour 5 000 $ maximum, c'est 25 personnes qui vont avoir 200 $ à ce compte sur un vélo. Ça, ça ne va pas augmenter la mobilité durable à Drummondville. Mais si on avait donné 5 000 $-là à des enfants qui n'ont pas de vélo ou des vélos à des enfants qui n'en ont pas, à mon sens, on atteindrait beaucoup plus ces objectifs. Malgré que les deux autres parties du projet sont très intéressantes, je trouve qu'on ne score pas dans ce dossier-là. Voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je propose. Vous l'appuyez, Mme Léger. Et juste avant de demander le vote, je tiens à dire encore une fois que c'est un programme qu'on met de l'avant. On va colliger les informations tout au long du programme et on va s'ajuster pour voir s'il faut bonifier ou non. Ce programme-là, c'est toujours dans le but de sensibiliser les gens à faire différemment. Donc, c'est une étape 1. On va voir pour la suite. Donc, je demande le vote, c'est-à-dire je prends le vote. District 1. Pour. District 2, non, 2, 3. District 4. Pour. District 5. Pour. District 6. Pour. District 7. Pour. District 8. Pour. District 9. Pour. District 10. Contre. District 11. Pour. District 12. Pour. Adopté à majorité. Adoption du règlement numéro RV24-5635, décrétant des travaux d'installation de deux chambres de compteurs et nécessitant un emprunt de 800 000 à cette fin. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Sommes maintenant rendus à l'information des membres du Conseil. Il y a une journée très importante qui s'en vient, Mme Saint-Cyr-Lanois. Donc, le 22 avril aura lieu le Jour de la Terre. Unis pour une corvée de nettoyage, toute la population est invitée dans le quartier Saint-Joseph à l'initiative de l'équipe de la revitalisation urbaine intégrée, la RUI. Le rendez-vous pour la corvée est à 9 h au parc Monseigneur Adolphe de Mers. C'est une belle façon de s'impliquer pour l'environnement et pour la propreté de notre belle ville. L'équipe de la RUI organise aussi une conférence « J'aime ma poubelle, mais je la quitte » en collaboration avec le Jour de la Terre Canada. Le 29 avril à 19 h à la halte Saint-Joseph, c'est au 472 rue Saint-Jean. Et aussi, sachez que le transport en commun sera gratuit le 22 avril de 7 h à 23 h. C'est le moment idéal pour l'essayer. On en profite aussi pour souligner le record d'achalandage enregistré dans notre réseau en 2023. Il y a 717 443 passages, une hausse de 25 % par rapport à 2022. C'est des bonnes nouvelles, Mme Saint-Cyr-Lanois. On est maintenant rendu à se questionner sur comment bien manger, M. Tessier. Effectivement, Mme la mairesse, j'ai deux sujets que j'aimerais partager avec nos citoyens. Premièrement, le 17 avril, à 18h30, nous avons la chance de recevoir à la bibliothèque la nutritionniste Maude Fournier, qui donnera une conférence qui s'intitule « Bien manger à petit prix ». Si jamais vous trouvez que le coût de votre panier d'épicerie est trop élevé en les temps qui courent et que vous éprouvez des difficultés à respecter votre budget, eh bien, cette conférence peut certainement vous aider à trouver des solutions afin d'en avoir plus pour votre argent, oui, et vous permettre du même coup de faire des choix sains pour vous et votre famille. Donc, merci à la bibliothèque, à l'équipe de la bibliothèque, dois-je dire, qui, encore une fois, nous propose une autre conférence très pertinente. Et puis, pour plus d'informations concernant cette activité, je vous invite à consulter la page Facebook de la bibliothèque ou composer le 311. Et vous voulez proposer à nos citoyens une activité que vous êtes, dont vous êtes le leader? Bien, effectivement, Mme la mairesse, en fait, dans un autre ordre d'idée, pour une troisième année consécutive, j'ai le bonheur d'inviter les citoyens des quartiers Saint-Jean-Baptiste, du Faubourg Saint-Lanise, de la Commune et de la Seigneurie à participer à l'initiative de rencontres citoyennes matinées municipales que je propose dans les différents parcs du district.
L'objectif est de créer un espace d'échange et de collaboration, tout simplement, au cœur de nos quartiers. Donc, au plaisir de vous y retrouver, chers citoyens, de 9h à midi les samedis suivants. Donc, le 20 avril au parc Jules Boileau, le 18 mai au parc La Seigneurie, 15 juin au parc Saint-Jean-Baptiste, 20 juillet au parc Boivin, le 17 août parc Millette, 21 septembre parc Léo-de-Verteuil, 19 octobre parc des Récollets et le 16 novembre au parc Arthur-Fortin. Voilà, merci. Ce sont des rendez-vous à ne pas manquer. On a la chance de pouvoir bientôt profiter du printemps. Monsieur Sivigny. Oui, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 15 décembre, la réouverture de tout notre réseau cyclable. Bien entendu, les services de travaux publics nettoient les pistes et ils n'ont pas été complètement tous nettoyés encore. Donc, c'est progressif. Important de faire attention à la gravelle, aux petits gravelets, etc., et déchets qu'il pourrait y avoir pour ne pas se blesser. C'est important. Et au fur et à mesure que ça va être nettoyé, les bornes vont être remises aux bons endroits. Par la suite, on demande aux automobilistes de Drummondville d'être courtois, bien entendu, et de faire une attention particulière parce qu'on réapprend à revoir des cyclistes dans la rue. Ils ne sont pas toujours dans des pistes cyclables. Il y avait des endroits où il n'y en a pas. Et ça, ça viendra avec le temps. Et également, le vélo, vous le savez, c'est un moyen extrêmement intéressant d'améliorer notre santé et de réduire les coûts de notre santé. Puis en plus, c'est une bonne façon de profiter de la vie. Et ici, à Drummondville, on souhaite qu'il y en ait au maximum. La ville est très contente qu'il y en ait beaucoup. On demande à tout le monde d'être courtois, autant les vélos que les automobilistes, et d'être respectueux envers ceux et celles. Merci. C'est festif également dans le monde manufacturier, Madame Letourneau. J'ai eu la chance d'assister la semaine dernière à titre de délégué manufacturier pour la ville de Drummondville au gala Le Manufacturier. En fait, c'est un gala qui a lieu aux 2 ans et qui est organisé par Manufacturier Mauricie Centre du Québec. Ça se déroulait à Trois-Rivières. Ce gala-là reconnaît l'excellence des entreprises manufacturières dans 9 catégories différentes, en sus des prestigieux prix Coup de cœur du jury et bâtisseur. Il s'agit évidemment d'une magnifique reconnaissance pour les entreprises nominées, dont 6 entreprises de Drummondville qui se sont démarquées comme finalistes, soit les entreprises CRD Plaquage, Ébénisterie Cristal, Bois et Noir Incorporé, Matritech Incorporé, Patio Drummond et Outillage de Précision Drummond. Et je tiens à féliciter Matritech, qui est récipiendaire dans la catégorie innovation de procédés et innovation opérationnelle. Donc, j'étais très fière de représenter la ville, même si c'était à Trois-Rivières que ça se passait, parce qu'on avait 6 entreprises nominées, dont une gagnante. Alors, bravo à tous. Il y avait un peu de Drummondville. J'ai vu que les animateurs venaient de Drummondville. Ouais. Les animateurs venaient de Drummondville. Et entre autres, j'étais accompagnée par plusieurs personnes de Drummondville économique et Drummondville économique en la personne de Jerry Gagnon, qui est le directeur général, présentait aussi un prix. Merci beaucoup. Et je tiens à vous rappeler une semaine qui est importante, une semaine qui, pour moi, est aussi très importante. C'est le don d'organes et de tissus qui se tiendra du 21 au 27 avril prochain. Vous voyez que plusieurs d'entre nous portons le ruban. Je vous invite, dans le cadre de cette semaine, à penser à signer votre carte de don d'organes pour avoir été frappée par un décès dans ma famille et avoir vu les impacts sur la vie des autres. C'est important, si vous êtes en mesure de le faire, de donner dons de tissus et d'organes, vous pouvez sauver la vie de plusieurs personnes. Alors, nous sommes rendus à la période de questions. Je demanderai à M. Fréchette de s'avancer au micro. Bonsoir, M. Fréchette. Bonsoir. Auparavant, c'était toléré jusqu'à 15 à 20 minutes, mais le règlement, je pense, c'est 5 minutes pour 3 questions. Et voilà. La première question concerne la signalisation et la localisation des rues Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie et Thérèse-Cosse. Je pense qu'ici, par exemple, c'est juste Marie-Gérin-Lajoie. Je pense qu'il n'y a pas de Lacoste. Oui, j'étais pour en venir à okay. Ma question. ces deux rues-là sont dans le nouveau parc industriel au coin des routes 139 et autoroute 55 ou Armand-Bombardier.
derrière l'immense entrepôt de Canac. La question est la suivante. La ville de Drummondville peut-elle améliorer la signalisation en indiquant justement Aulon, Marie, Lacoste, Gérin, Lajoie et aussi Thérèse Casgrain, pas juste T. Casgrain, puis indiquer aussi Idola Saint-Jean qui faisait partie du trio francophone des femmes qui voulaient le suffrage féminin. Et surtout, pourquoi pas regrouper justement ces trois femmes francophones pour le droit de vote féminin avec trois autres pionnières anglophones, soit Carrie Derrick, apportait aussi le nom de Mathilda, et de Grace Ritchie, apportait aussi Octavia, et surtout Grace Julia Parker Drummond, surnommée Lady Drummond. Ça pourrait être en regroupant ces six noms de femmes, y compris aussi Marie Curie, qui se retrouve dans un parc industriel. Est-ce qu'on peut trouver un autre endroit public, plus visible et pas simple? On va prendre en note vos suggestions, là, puis je vous assure que vous pouvez aller sur le site web là, quand vous avez ce genre de suggestions-là. La commission de toponymie, entre autres, se penche sur ce genre de questions. Puis je vois Mme Béliveau qui a fait longtemps partie de la commission de toponymie. Là, on cherche justement à mettre en valeur des femmes de l'histoire. Il y a certaines règles, là, et ce n'est pas évident. Donc, je suis heureuse que vous nous ayez apporté vos suggestions. Pour ce qui est des pancartes, je pense que quand on a nommé cette rue-là, il n'y a pas grand monde qui savait qu'il y avait le Lacoste à quelque part entre Marie Gérin et Lajoie. Et je pense qu'on a un nombre de caractères, mais ça, c'est à valider, là. On pourra vous revenir, M. Fréchette, avec l'information, là, à savoir si on a un nombre de caractères pour mettre sur les pancartes de rue. Mais on prend en note vos suggestions. Je vais apporter un petit supplément. Parce que là, il porte le nom du conjoint. Je m'excuse, je n'ai pas compris votre dernier mot. Ces deux dames-là, oui, portent le nom de famille du conjoint, oui, oui, qui a priorité sur le nom de fille, parce qu'il y a deux Marie Lacoste. Ça fait drôle de défendre Lacoste ce soir. Hein? puis aussi, au coin de la rue, route 139, et Marie Lacoste, il n'y a pas de pancarte. On va s'assurer, M. Fréchette, de vérifier ça. Je mentionne ça parce que je les ai toutes marchées les rues, puis j'ai remarqué ça dimanche passé, à ma grande surprise. Mais merci beaucoup. D'accord, merci. Deuxième question. La ville de Drummondville pourrait-elle améliorer le réseau routier menant à des endroits publics comme le Cégep, le Centre Girardin, l'Aréna, Marcel Dionne, le marché public et l'hôpital, soit les rues Notre-Dame, Marchand, Cockburn, Heriot et Saint-Jean? C'est toujours une préoccupation. Je suis contente que vous en parliez, de s'assurer que la circulation se fait bien. Il y a des enjeux. Les rues que vous venez de nommer, souvent, ont des écoles, donc pour s'assurer aussi de la sécurité des piétons. Mais la bonne nouvelle, M. Fréchette, c'est qu'on a mis au PTI 2024, donc cette année, une étude pour favoriser la fluidité, entre autres, sur le boulevard Saint-Joseph, pour faire en sorte que ça circule mieux, ça soit plus fluide. Donc, en faisant en sorte que le boulevard Saint-Joseph soit plus optimal, bien, c'est sûr qu'on va ramener la circulation aux bons endroits. Pour le reste, c'est une question d'amélioration continue, là. On essaie toujours de mettre les actions en place pour favoriser la circulation, mais une rue se doit d'être sécuritaire pour tous les usagers, qui comprend également les piétons et les cyclistes. Troisième question. La ville de Drummondville peut-elle souligner pas seulement les voltigeurs de la Ligue de hockey junior maritime Québec, mais également les championnats, on peut dire scolaires, collégiaux et universitaires? Par exemple, au Cégep, les voltigeurs garçons ont gagné au baseball l'automne passé et au hockey féminin, ce printemps, l'équipe féminine. Je vois que vous n'êtes pas abonné à ma page Facebook parce que je l'ai d'ailleurs souligné. J'ai eu la chance d'aller voir les jeunes filles évoluer lors d'une partie et c'est du très, très bon spectacle, du très, très bon hockey. C'est très stratégique. Puis la ville de Drummondville aussi est plus proactive. Là, quand on voit passer ce genre d'informations-là, on essaie de le relayer. Mais c'est un bon point. On va essayer de faire un peu mieux, M. Fréchette.
Je ne vais pas terminer. Ah, désolé. Il y a aussi la finale canadienne de l'UQTR en hockey masculin. Nos chers patriotes, on a une succursale ici. Oh, oui, oui, oui. Et on a deux joueurs qui sont deux anciens capitaines juniors, oui. Qui sont de la MRC Drummond. Et également, aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y avait aussi le Collège Saint-Bernard, je pense, en volleyball féminin. Oui. Et également, aussi, on a deux joueuses professionnelles qui jouent pour Montréal et Ottawa. Je comprends qu'il y a une soirée, je pense cette année, c'est à Victoriaville, mais il faudrait qu'au conseil municipal, ça vous soit souligné, pas juste nos voltigeurs. Le bise d'Arles, oui, M. Sivigny nous y a représenté. Puis pour ce qui est des patriotes, M. Sivigny également a été délégué pour nous y représenter. Mais on prend note de vos suggestions, on va essayer de faire mieux. Merci. Je demanderai à M. Pellerin de se présenter au micro. Bonjour tout le monde. Bonsoir, M. Pellerin. Moi, ma question, c'est par rapport aux procès-verbaux du Conseil de ville. Ça serait intéressant que la période de questions, qu'il y ait une trace des questions qui sont posées, puis peut-être des réponses, là, dans un souci de transparence, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas rien. J'aimerais corriger cette information-là. En tout temps sur le site Web, il est possible de voir les vidéos du conseil dont la période de questions fait partie. Donc, il y a toujours, c'est toujours disponible. Donc, en tout temps, vous pouvez les revisionner. Mais dans le procès-verbal, ça, il n'y a pas moyen d'avoir un écrit? C'est la décision qu'on a prise. En tout temps, vous pouvez avoir accès aux vidéos du conseil de ville. OK. Parce que dans plusieurs villes du Québec, il y a une trace écrite. On prend en note votre suggestion. Merci. OK. Merci. Bonne soirée. Monsieur Dansereau. Bonsoir, Monsieur Dansereau. Bien. Oui, vous-même. Oui. Logement abordable, Mme la mairesse, juste par de ça, on sait qu'on a le taux d'inoccupation à 0,05, c'est un des plus bas au Québec, dans les villes. J'ai entendu tantôt M. Grondin parler d'unitraînée. Est-ce que c'est les logements abordables du groupe Maurice? C'est ceux-ci, mais on ne peut pas s'avancer pour plus d'infos parce que, comme c'est attaché avec les autres paliers gouvernementaux, il va y avoir des annonces. Mais oui, c'est de ce projet-là qu'on parle. OK, parce que j'étais venu ici exactement pour ça, parce que je trouve le groupe Maurice, je le connais. C'est un homme très fiable. Vous allez être content, M. Dansereau, mais malheureusement, on doit attendre qu'il y ait des annonces. Il va y avoir des annonces prochainement. Oui, vous allez être content. Bonne nouvelle, excellent. Merci. Bravo. Dos d'âme, Mme la mairesse. Je sais que vous avez augmenté les dos d'âme. Il y a eu une objection. Bravo, enfin. Un membre du conseil de ville qui a levé le drapeau jaune, disait que les dos d'âme, on en a pas mal à Drummondville. Moi, quand je suis arrivé en 2017, Mme Mairesse, là, c'est ça que j'ai dit à ma conjointe native de Drummondville. Là. Moi, j'ai couvert 17 villes dans le Sud. Je n'ai jamais vu autant de dos d'âme qu'à Drummondville. Ce que vous faites, là, vous mettez un plaster sur une hémorragie. OK? Je vais m'expliquer. De ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord, M. Sivigny, ce que vous avez dit. Puis je pourrais rajouter aussi augmentation du bruit. Augmentation des délais d'intervention des véhicules d'urgence. Les vies en danger. Incendie. Les crises du cœur. Il y a des rues, Mme la mairesse, la rue Brousseau. Je ne sais pas si c'est quel conseiller ou quelle conseillère qu'elle se voulait. Trois dos d'âme sur la même rue, la ligne droite. Trois dos d'âme. Imaginez si il y a une urgence. Relancez. J'aide une personne handicapée, Mme la mairesse. Il y a un véhicule adapté pour lui. Il conduit avec tout se passe avec ses mains. Son silencieux est à 5 pouces du sol. Imaginez toutes les problématiques qu'il y a, lui. À tout fait qu'il y a un dos d'âme. Les dos d'âme, en plein hiver, Mme la mairesse, là, quand il y a de la neige, là, tu les vois pas mal à la dernière minute aussi. J'ai quelques suggestions pour vous. Rapidement, M. Dansereau, vous vous rappelez que c'est une période de questions? Oui, j'aurai une question après. Faites-vous parfait. La première suggestion très majeure, réduction de 50 km à 40 km dans les quartiers résidentiels. Ça, c'est... Je veux juste finir. Je m'en allais juste vous dire qu'on s'en va dans cette voie-là, effectivement. Toutes les zones résidentielles... Faites le test là, à 50 puis à 40. Là, vous allez voir qu'il y a une différence. Dans les petites rues résidentielles, à 50, c'est vite. À 40, Mme la mairesse, ça serait pas mal mieux. Je vous le dis, là,
Sainte-Julie, ils l'ont fait. Vous connaissez Mme Suzanne Arroy, la ministre de la mairesse? Elle l'a fait, ça a très bien passé. Je vous garantis que ça fait la même chose ici. Installation de panneaux de sensibilisation sur la chaussée, ça, c'en est un autre. Installation de plusieurs afficheurs de vitesse. Ça prouve que ça réduit la vitesse de 30 %. Je ne sais pas si vous allez des fois à Beaumont. M. Danseau, je vais prendre votre question. On pourra prendre, vous pourrez déposer vos suggestions à M. Adam pour que le comité de circulation puisse les analyser. Votre question. Sur l'instant, je vais retrouver ma question. Au lieu de choisir la facilité en augmentant le nombre de dos d'onde, à quand un plan d'ensemble rigoureux afin de diminuer la vitesse dans les différents quartiers résidentiels de la ville de Drummondville? Monsieur Dansereau, lorsque M. Sivigny avait voté contre, j'avais mentionné qu'on a mis de l'avant les plans de un plan de match pour les rues complètes. Donc, à chaque fois qu'on fait une réflexion de rue, c'est ce qui est mis de l'avant qui nous permet d'avoir des réelles retombées sur la vitesse. Vous parliez des quartiers à 40 km/h. On a fait des projets pilotes. On étend tranquillement aux autres zones de la ville qui s'y prêtent. C'est toutes les zones. Monsieur Dansereau, je vais répondre. C'est moi qui va parler. Donc, on est en train, justement, d'étendre ça à la ville. Donc, on est on travaille fort pour avoir des solutions durables. Ce que je mentionnais à M. Sivigny, qui est parfaitement au courant, c'est que maintenant, on a des spécialistes, des ingénieurs en circulation qui, eux, ont étudié là-dedans. Là. Ce n'est pas des gérants d'estrade. Eux font maintenant des études. Ils nous recommandent si oui ou non, il y a des dos d'onde qui vont être implantés. On le sait, c'est des solutions qui sont dites temporaires parce qu'on ne peut malheureusement pas refaire toutes les rues de Drummondville en même temps. On ne serait pas capable d'absorber le coût. Donc, ce que vous nous mentionnez, c'est un plan de match. On le fait graduellement parce que vous comprenez que c'est coûteux. Donc, je vous remercie. Si vous voulez juste déposer vos suggestions à M. le DG pour qu'on puisse les analyser. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, il n'y avait pas de questions web. Sur ce, je vous invite à la prochaine séance du Conseil le 29 avril 2024 et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci. Je le propose. Je vais l'appuyer. TV. Ensemble pour notre communauté.